Aujourd'hui, on était sur une séance de musculation pure sur le haut du corps. Je divise ma semaine d'entraînement plutôt haut du corps en début de semaine et bas du corps sur milieu de semaine. On avait 40 minutes de travail effectif sur le haut du corps aujourd'hui. Et après cette séance-là, pendant que les gars s'entraînent, moi je gère la réathlétisation des joueurs blessés. La prépa physique, pour moi, elle est primordiale, aussi bien en amont que pendant la saison. Pour la prévention des blessures, dans un premier temps, ça va être l'objectif numéro 1, qu'on puisse avoir nos joueurs en meilleure forme possible, le plus longtemps possible. C'est ce qui fera la différence à la fin de la saison. Et puis pour l'optimisation des performances individuelles et donc collectives, donc le fait d'optimiser le potentiel physique de chaque joueur en fonction de ses capacités et ses habiletés, va nous permettre d'être meilleurs en tant qu'équipe. Généralement, on entame la pré-saison sur une période de travail de 6 semaines qui doivent nous amener à avoir un potentiel physique qui nous permet de débuter le championnat dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, on va avoir une période de 6 semaines supplémentaires qui doivent nous permettre de prolonger en fait cet état de forme physique optimal jusqu'à la trêve de mi-saison, fin novembre, début décembre. Voilà. Avec une période un peu compliquée qui est la période du début de l'hiver, entre novembre et décembre, où on accumule la fatigue, on accumule les blessures. Et c'est cette période-là qui est déterminante pour le reste de la saison. La prépa physique, c'est très important dans le sport, ça nous prépare pour toute la saison, qui est une très longue saison, et ça nous prévient beaucoup sur les blessures aussi. Ça nous aide à progresser aussi sur plusieurs aspects de notre jeu, que ce soit physiquement, dans les changements de direction, dans la vitesse, etc. Et ça nous fait nous sentir bien aussi au quotidien. Par exemple, moi j'en fais une fois par jour, parce que je trouve ça important de prendre soin de son corps.